Bonjour, dans cette vidéo d'Anapath, nous allons parler du processus inflammatoire. Alors le processus inflammatoire, c'est un concept très important en médecine que vous allez aborder dans pas mal de modules, notamment en immuno et en Anapath. Donc dans ce cours, nous allons l'aborder d'un point de vue anatomopathologique. On va se concentrer beaucoup plus sur les différentes étapes qui sont visibles morphologiquement, qu'on pourra en fait percevoir au microscope. Nous allons donc commencer par un petit historique. Sachez en fait que le processus inflammatoire n'est pas une maladie ou une pathologie en soi. Non, en effet, c'est tout simplement un processus réactionnel, c'est-à-dire la manifestation ou l'une des formes de manifestation de cette maladie. Donc, on a une maladie, c'est la maladie qui sera responsable du processus inflammatoire ou de l'inflammation. Et donc, ce processus inflammatoire, il sera avant tout visible en clinique. On aura des signes cliniques qui vont nous orienter vers l'inflammation. Et ces signes cliniques, sachez que la toute première fois qu'ils ont été décrits, ou qu'on croit qu'ils ont été décrits, c'était 3000 ans avant Jésus-Christ, où on a trouvé des papyrus égyptiens qui parlent de ce processus inflammatoire. Mais nous, on retient que ces signes cardinaux, les signes cardinaux de l'inflammation que vous connaissez tous, la rougeur, la chaleur, la douleur et la tumeur ou le gonflement, ont été décrits par Cels. C'était l'époque romaine en fait. Et ce n'est que bien après, au 19e siècle, à l'époque de Virchow, qu'on a rajouté un autre signe cardinal, qui est l'impotence fonctionnelle ou fonctio lesa. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'aspect qui est visible en clinique. Ensuite, pour les étapes microscopiques, qui sont avant tout représentées par la phagocytose, eh bien, ils ont été décrits par Konheim et Mitchinkoff. Nous allons maintenant définir en fait ce processus inflammatoire avec plus de détails. Le processus inflammatoire ou la réaction inflammatoire n'est donc pas une maladie. Ce n'est pas une pathologie, c'est plutôt une manifestation de la pathologie, c'est donc un phénomène réactionnel. Ce phénomène réactionnel, il va apparaître quand ? Il va apparaître quand on a des constantes biologiques perturbées, quand on a un souci, un dérèglement au niveau du corps. Et donc son premier but, c'est de rétablir l'homéostasie. Et bien entendu, ceci va se faire en réparant ou en limitant les dégâts qui ont été occasionnés par une cause ou une autre. Et c'est grâce à cela qu'on pourra assurer la survie de la personne qui a donc subi un quelconque traumatisme. Ce phénomène réactionnel n'est pas toujours bénéfique. Là, ce qu'on vient de décrire, c'est un peu son aspect bénéfique. Mais parfois, il peut être néfaste. Généralement, cet aspect néfaste, il va surtout apparaître quand on a un processus inflammatoire qui est exagéré ou qui est mal placé. Il ne survient pas pour défendre le corps, il survient même pour tout le contraire. Par exemple, dans le cas des maladies auto-immunes, on a le système immunitaire qui va attaquer nos propres cellules, les composants de notre propre organisme, et dans ce cas, le processus inflammatoire qui va en résulter sera forcément néfaste pour le corps. Et puis, sachez que cette réaction inflammatoire, eh bien, elle aura son aspect local qui va se manifester par tous ces aspects cliniques qu'on a cités, c'est-à-dire les signes cardinaux, mais également une manifestation systémique. Et ça, c'est très important à retenir, hein. Il faut retenir que la réaction inflammatoire, elle n'est pas seulement locale, elle a même une manifestation systémique. Ceci est possible par les différents médiateurs de l'inflammation, c'est-à-dire les différentes cytokines, les différentes molécules qui seront sécrétées pendant la réaction inflammatoire et qu'on va présenter dans un petit moment. Et ils vont se manifester en fait par l'apparition d'une fièvre, ou l'altération de l'état général. L'altération de l'état général, vous connaissez, c'est les 3A, amaigrissement, anorexie et asthénie. Nous pouvons regrouper l'inflammation sous deux groupes. On a les inflammations banales et les inflammations spécifiques.
On fait la différence entre les deux par leur aspect morphologique. Ça tombe bien, on est bien en anapath. En effet, dans l'inflammation banale, l'aspect morphologique ne va pas renvoyer à une étiologie précise, contrairement à l'inflammation spécifique où on aura donc un aspect morphologique qui renvoie à une étiologie bien précise. On peut citer par exemple, là vous connaissez tous le caséum inflammatoire qui résulte de la tuberculose, et on aura donc une forme caractéristique qui va nous faire penser à la tuberculose. Donc l'inflammation va bien entendu se dérouler dans un territoire bien précis. Ce territoire, cette localisation, c'est le tissu conjonctif non spécialisé. Le tissu conjonctif non spécialisé, il sera constitué, comme tout tissu conjonctif, donc d'une substance fondamentale, de fibres, c'est les fibres de collagène notamment, et de cellules, différentes cellules. On a les fibroblastes qui sont responsables de la synthèse des fibres, des mastocytes et des macrophages qui sont eux les cellules qui vont intervenir dans la réaction inflammatoire. Et en plus de cela, nous aurons un réseau vasculaire caractéristique qui est de type terminal et on va l'appeler le réseau de la microcirculation. C'est ce réseau vasculaire qui va jouer un rôle très important dans l'inflammation et on va le décrire. Alors c'est très facile. Il sera composé d'un... C'est un réseau capillaire qui sera contrôlé par des sphincters et il va se présenter sous la forme d'anastomose artério-veineuse, bien entendu. Il va contenir un canal préférentiel qui sera utilisé à l'état normal, c'est-à-dire quand on n'a pas d'inflammation, et tout autour et à côté, bien entendu, on a un réseau lymphatique qui sera responsable du drainage des différents liquides qui sont présents dans la substance fondamentale. Donc, si on reprend, on a un réseau capillaire qui est contrôlé par des sphincters, un canal préférentiel qui est le seul qui sera utilisé à l'état normal, une vénule de drainage, et ce réseau capillaire il va se présenter sous forme d'anastomose artério-veineuse, et avec tout ça, nous aurons un réseau lymphatique qui sera responsable du drainage des différents liquides dans la substance fondamentale. Le processus inflammatoire est donc un processus dynamique qui aura différentes causes, différentes étiologies, qui aura des conséquences diverses également et qui sera géré par de multiples médiateurs chimiques. Concernant ces étiologies ou ces causes, donc nous pouvons avoir des origines endogènes ou exogènes du processus inflammatoire et elles peuvent être de différents types. Elles peuvent être physiques, comme dans le cas des traumatismes ou des radiations, chimiques, comme celles qui sont dues à des agents toxiques ou encore à des acides et des bases. Elles peuvent également être biologiques suite à l'infection par certains agents infectieux, trophiques comme dans le cas de l'ischémie, et enfin immunologiques, et là elles surviennent notamment en cas de libération de substances antigéniques par certaines cellules immunitaires comme les lymphokines par les lymphocytes. Ce processus inflammatoire va avoir des conséquences, d'accord? Et ces conséquences, elles vont dépendre de plusieurs facteurs. Notamment la nocivité de l'antigène, à quel point il est dangereux. C'est clair que tous les antigènes ne vont pas avoir le même degré de pathogénicité. De plus, le siège va également avoir un rôle, il va jouer un rôle dans cette manifestation inflammatoire. Par exemple, s'il siège au niveau des organes nobles, on aura donc une inflammation qui est plus dangereuse que si elle ne siégeait pas au niveau d'un organe noble. Voilà. La richesse en vascularisation, plus un organe est vascularisé, plus il aura tendance à libérer des médiateurs au niveau systémique et donc on aura une manifestation systémique plus facilement. Et enfin, on a également des phénomènes généraux qui vont participer, comme des phénomènes nerveux, hormonaux et immunitaires qui vont eux aussi participer à cette manifestation inflammatoire. Par exemple, un exemple très simple, en cas de dépression du système immunitaire, on aura forcément une inflammation qui aura plus d'ampleur. Voilà. Et puis, ce processus inflammatoire, il sera géré par des médiateurs chimiques.
Et ces médiateurs chimiques qui vont expliquer que l'inflammation n'est pas un phénomène purement local, il aura des mécanismes à la fois locaux, bien entendu, et régionaux. Et c'est justement grâce à ces médiateurs chimiques, à ces différentes molécules qui sont libérées au cours de l'inflammation, qu'on pourra avoir une manifestation systémique ou régionale. Voilà. Et donc ces médiateurs chimiques, ils sont de trois types. On a trois catégories. On a les médiateurs qui sont libérés par les cellules au niveau local. C'est donc les cellules, soit les cellules inflammatoires, ou les cellules épithéliales, ou voilà, toutes les cellules qui sont présentes au niveau du tissu conjonctif spécialisé. Et elles sont représentées notamment par les amines vasoactives. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est des choses que vous avez vues, ou que vous allez voir en immuno. Donc voilà. Mais vous devez quand même les retenir pour l'examen, et vous devez les retenir, c'est-à-dire retenir leur nom, et même leur fonction, parce que ça peut être justement le sujet d'une question d'examen. Voilà. Donc pour les médiateurs libérés par les cellules au niveau local, on a les amines vasoactives, elles sont libérées notamment par les mastocytes, et elles auront un rôle vasodilatateur. On a l'exemple de l'histamine, de la sérotonine. Nous avons également des cytokines, les cytokines pro-inflammatoires, avec le TNF-alpha, l'IL-1, l'IL-6, et même les interférons qui sont libérés par les lymphocytes, et voilà, donc par les lymphocytes, quand ils reconnaissent un pathogène. Nous avons également des médiateurs lipidiques, on a le PAF, qui est le Platelet Activating Factor, et les dérivés de l'acide arachidonique, avec les leucotriènes et les prostaglandines. La deuxième catégorie de médiateurs chimiques, c'est les médiateurs chimiques plasmatiques. Et là, ils seront libérés notamment suite au processus de coagulation. Nous avons donc les facteurs de coagulation et de fibrinolyse, qui est un cours tout à part que vous allez voir, que vous avez vu en physiopathe. Et donc ces facteurs de coagulation et de fibrinolyse, ils vont à leur tour activer le facteur 12 de Hajmann, et les PDF, ou produits de dégradation de la fibrine. Bon, enfin je dis activé, mais c'est pas vraiment activé. Par exemple, les produits de dégradation de la fibrine, ils vont résulter, c'est le résultat de la dégradation, ou de la fibrinolyse, du caillot qui a été fabriqué par cette phase de coagulation. Enfin bref, les produits de dégradation de la fibrine vont de leur côté participer à la vasodilatation et au chimiotactisme. Et le facteur 12 de Hajmann, il va lui activer les facteurs du complément et les kinines qui auront un rôle notamment dans l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Vous avez compris que là, ce que je suis en train de présenter, c'est d'une façon très schématique, très très brève, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, par souci de simplification, je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations immunologiques. Enfin, la troisième catégorie qui sera responsable de libération des médiateurs chimiques, c'est le granulome. Et le granulome, on va le présenter dans un petit instant. Mais pour faire simple, le granulome, c'est juste cette manifestation morphologique de l'inflammation. On appelle ça un granulome inflammatoire. Il sera composé des différentes cellules inflammatoires qui participent à la réaction inflammatoire. Voilà. L'inflammation, c'est donc un processus ou un phénomène dynamique. Ça bouge. On a plein de médiateurs, plein de cellules, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et ces choses, on peut les voir comme on peut ne pas les voir. En effet, la première étape que nous venons de présenter, avec les différents médiateurs, etc., c'est une étape inframicroscopique, qui ne va pas tellement nous intéresser en anapathe. Donc ces différents médiateurs qui vont intervenir dans les phénomènes vasculaires, ils auront surtout un rôle au niveau vasculaire, bien sûr, avec la vasodilatation, l'augmentation de la perméabilité, etc. Juste une petite remarque. Normalement, vous connaissez la différence entre vasodilatation et augmentation de la perméabilité. La vasodilatation, c'est la congestion active, en fait. C'est quand on a une augmentation du diamètre des vaisseaux. Et l'augmentation de la perméabilité, c'est quand on a un espacement entre les différentes cellules qui seront localisées au niveau du vaisseau et qui vont par la suite permettre la sortie de certaines cellules qui sont situées au niveau des vaisseaux
c'est surtout les cellules qui vont participer à l'inflammation, les monocytes, etc. Et ce phénomène, on l'appelle diapédèse, c'est-à-dire le phénomène qui va permettre la sortie des cellules inflammatoires du vaisseau vers le tissu conjonctif spécialisé. C'est ce qu'on appelle la diapédèse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas cette étape inframicroscopique, c'est plutôt les étapes qu'on pourra observer au microscope, c'est les quatre phases de l'inflammation que vous devez connaître par cœur. C'est vraiment basique, vous devez bien les apprendre. Petite remarque, donc nous avons quatre phases, ce sont quatre étapes qui vont survenir toujours avec le même ordre. Donc nous avons un ordre immuable, c'est pourquoi on dit que la réaction inflammatoire est stéréotypée. En effet, on a toujours une séquence constante des mêmes étapes qui vont se répéter avec le même ordre à chaque fois. Et donc on parle bien de quatre étapes, mais sachez que ces différentes étapes peuvent se chevaucher. Et on va expliciter ça dans un petit instant. Donc je vais commencer par présenter ces étapes. Nous avons quatre étapes. La première étape, c'est l'étape d'initiation, qu'on appelle également l'étape vasculaire ou l'étape vasculo-exudative. La deuxième étape, c'est la phase d'amplification. Donc la première, c'est l'initiation, la deuxième, c'est l'amplification, qu'on appelle également la phase cellulaire ou le granulum inflammatoire, ou la phase de formation du granulum inflammatoire. La troisième, c'est la phase de désertion. La quatrième, c'est la phase de résolution ou de réparation, ou encore qu'on appelle encore la phase terminale. La phase d'initiation ou la phase vasculo-exudative, elle va se dérouler notamment au niveau des vaisseaux. C'est les différents remaniements que nous pourrons observer au niveau des vaisseaux suite à l'action des médiateurs de l'inflammation. Et donc ces différents remaniements, on va les résumer sous cette phase. Dans cette phase, c'est la phase d'initiation, c'est le début, qu'on va appeler pour cette raison-là la phase vasculaire ou la phase vasculo-exudative. Et comme conséquence, nous aurons l'apparition des différents signes cardinaux que vous connaissez. La deuxième phase, c'est la phase d'amplification. Elle va faire suite à la phase vasculaire. Et c'est ce qu'on appelle la phase cellulaire. Tout simplement parce qu'on aura la formation du granulum inflammatoire. Le granulum inflammatoire, c'est quoi ? C'est les différentes cellules de l'inflammation qui sont soit d'origine vasculaire, soit qui sont déjà présentes au niveau du tissu conjonctif et qui vont former une structure qu'on appelle le granulum inflammatoire. Juste après ça, nous aurons la phase de désertion. En effet, une fois l'agent pathogène éliminé, on ne va pas laisser ces débris et toutes ces cellules comme ça en place. On va plutôt les éliminer, et on doit les éliminer, c'est une étape obligatoire, pour permettre la cicatrisation. Et la cicatrisation, c'est cette phase de réparation, c'est cette phase où on va essayer de restituer le tissu et tout ce qu'on a endommagé pendant cette réaction inflammatoire avec les différents médiateurs et les différentes substances qui tuaient en fait à la fois les agents pathogènes, c'est normal, mais aussi les structures de l'organisme. Et donc, à la fin, la phase terminale va correspondre à une phase de réparation. Dans ce cours, nous allons parler que de ces trois premières étapes. La phase de réparation et de résolution terminale, elle va faire l'objet d'un cours à part. Nous allons donc commencer par parler de la phase d'initiation, ou la phase vasculaire, ou ce qu'on appelle encore la phase vasculo-exudative. Cette phase va en elle-même rassembler trois autres phases, trois petites phases, qui sont que je regroupe personnellement sous le moyen mnémotechnique VED. D'accord, ça n'a aucun sens, mais ça me permet de les retenir. Voilà. Enfin, c'est-à-dire quand vous allez les comprendre, vous n'avez même plus besoin de les apprendre, ça va venir systématiquement. Mais pour un début, c'est bien VED, V-E-D, sachant que le nom de cette phase d'initiation commence par un V aussi, avec vasculaire et vasculo-exudative. Donc la première étape, c'est la vasodilatation ou la congestion active. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura une augmentation du diamètre du vaisseau sanguin. Le diamètre seulement. Ensuite, nous avons la phase d'exudation ou la formation de l'œdème inflammatoire. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on aura
une sortie du liquide contenu au niveau des vaisseaux sanguins et la formation donc d'un œdème autour. Alors comprenez bien ce qui se passe ici. Nous avons une vasodilatation, donc une augmentation du diamètre. Et cette vasodilatation, elle a été à l'origine d'une stase. C'est-à-dire qu'on a eu une accumulation du liquide au niveau de cet endroit du vaisseau qui a été dilaté. Juste après, nous avons eu une augmentation de la perméabilité vasculaire. La perméabilité vasculaire, elle a été augmentée en augmentant cette distance qui va séparer les cellules qui recouvrent le vaisseau sanguin. Et grâce à ça, on a eu une exsudation ou une sortie donc du liquide qui était à l'intérieur des vaisseaux vers le tissu conjonctif et il sera responsable d'un œdème. Petite remarque, là on a bien parlé d'exsudation. Alors vous devez connaître la différence entre exsuda et transsuda. L'exsuda c'est un liquide inflammatoire, tandis que le transsuda c'est un liquide non inflammatoire. Je vous invite à regarder avec moi ce schéma qui est très bien fait. Donc dans l'état normal, au niveau d'un vaisseau sanguin, nous avons un équilibre entre la pression hydrostatique et la pression oncotique. Et donc le liquide et les protéines du plasma vont rester à l'intérieur des vaisseaux. Dans le cas d'un exsuda, l'exsuda il va survenir quand on a une augmentation de la perméabilité vasculaire. Et il va signer un processus inflammatoire. Et dans ce cas, quand on a cette augmentation de la perméabilité vasculaire, on aura une fuite du liquide, oui, du liquide, qui sera accompagnée des protéines. Et donc, on aura un œdème qui sera composé de liquide et de protéines qui ont fui du vaisseau grâce ou suite à l'augmentation de la perméabilité vasculaire. C'est le point clé. Tandis que dans le cas du transsuda, ce qui se passe, c'est qu'on a une rupture de l'équilibre entre la pression hydrostatique et la pression oncotique. Et donc, on a une augmentation de la pression hydrostatique qui devient nettement supérieure à la pression oncotique. Et on aura donc une fuite du liquide, des vaisseaux, parce que voilà, il y a une pression qui est en train de le faire fuir. Et on a une diminution de la pression oncotique qui n'attire plus autant le liquide. Et donc, nous aurons la formation d'un œdème, mais cet œdème, il ne sera pas composé de protéines. Et voilà. Donc, dans le cas du transsuda, qui survient en dehors du contexte pathologique, nous n'avons pas d'augmentation de la perméabilité vasculaire suite à l'action de certains médiateurs. Et voilà. Donc, un petit moyen mnémotechnique pour retenir que l'exsuda, il va survenir dans le contexte inflammatoire. Et le transsuda dans le contexte non inflammatoire, c'est que exsuda et inflammatoire, ils commencent les deux par des voyelles, et transsuda et non inflammatoire, ils commencent les deux par des consonnes. Et voilà. Suite à cette augmentation de la perméabilité vasculaire, etc., nous aurons l'étape de diapédèse leucocytaire, qui correspond tout simplement à l'extraction, ou l'extravasation, pardon, des cellules, donc des cellules immunitaires contenues à l'intérieur des vaisseaux vers le tissu conjonctif. Ces cellules sont notamment représentées par les monocytes qui circulent au niveau des vaisseaux et qui, en sortant au niveau du tissu conjonctif, on va les appeler soit des macrophages, qui seront appelés soit macrophages, soit histiocytes. Voilà, c'est donc une même cellule, mais qui va porter deux noms différents selon sa localisation. Nous allons maintenant parler de chacune de ces étapes de la phase vasculo-sanguine en détail. La première étape, c'est donc l'étape de la congestion active ou de la vasodilatation. Alors c'est bien cette étape qui sera le premier phénomène visible de l'inflammation. Parce que je vous rappelle, juste avant, on avait donc l'étape des médiateurs locaux, etc. C'était une étape inframicroscopique et on ne pouvait donc pas la voir. Donc là, la vasodilatation, c'est ce premier phénomène visible de l'inflammation. Et il va survenir 10 à 20 secondes juste après l'agression. On aura donc une augmentation de la quantité de sang qui va arriver au niveau du vaisseau et qui va stagner. Elle sera donc responsable d'une stase sanguine. Et cette vasodilatation, elle sera déclenchée à la fois par des médiateurs humoraux, c'est ce qu'on répète depuis tout à l'heure, mais aussi par un réflexe d'axone. On a donc
un phénomène nerveux qui va intervenir. Histologiquement, nous allons apercevoir donc des vaisseaux dilatés, des cellules endothéliales qui seront turgescentes, qui seront bien, bien gonflées, et une lumière remplie de globules rouges. Cette étape aura des conséquences au niveau clinique, avec une augmentation de la chaleur et de la température, au niveau métabolique avec une diminution de l'oxygène au niveau des espaces interstitiels, et même physique, puisqu'elle va participer à elle va précéder en fait l'augmentation de la perméabilité vasculaire, et donc elle va la favoriser. Juste après, nous avons cette étape d'exsudation, ou la formation de l'œdème inflammatoire. Comme déjà décrit, le mécanisme qui en sera responsable, c'est en quelque sorte une légère augmentation de la pression hydrostatique, mais surtout une augmentation de la perméabilité vasculaire. Et cette augmentation de la perméabilité vasculaire va s'expliquer par l'élargissement des fentes intercellulaires. Nous aurons donc, grâce ou suite à ce mécanisme, la formation d'un exsuda, qui est l'ensemble des éléments cellulaires et moléculaires qui vont traverser la paroi vasculaire et qui vont donc s'accumuler au niveau des espaces interstitiels. Macroscopiquement, nous pourrons observer un autre signe cardinal qui est le gonflement ou la tumeur, ou tumor en latin. Et histologiquement, nous aurons donc une substance fondamentale qui est plutôt claire et assez peu colorée. La conséquence de cette exsudation, elle est très intéressante. Parce qu'en plus de permettre la sortie ou la diapédèse des cellules leucocytaires qui vont participer à l'inflammation en éliminant directement le pathogène, alors là, elle va également participer, cette exsudation, à l'élimination de l'agent pathogène, mais d'une autre façon. Elle va en effet permettre de circonscrire le foyer inflammatoire, de poser sa limite. Elle va permettre de diluer les germes qui sont à l'intérieur de ce foyer inflammatoire et la diffusion de certaines substances toxiques et des immunoglobulines qui vont donc permettre l'élimination de ces germes. En plus de cela, elle va participer à la précipitation de la fibrine qui va donc elle aussi limiter le foyer inflammatoire, il va le circonscrire et surtout initier donc ces étapes de coagulation. Enfin, la dernière étape qui est la diapédèse leucocytaire, qui aura la durée la plus importante de cette phase vasculosanguine, elle va durer de 7 à 8 minutes. Cette diapédèse va s'amorcer par la sortie des polynucléaires des vaisseaux, ensuite des monocytes. Pourquoi on commence par les polynucléaires? Tout simplement parce que les polynucléaires, ils ont un noyau polylobé, et cette forme particulière de leur noyau va leur permettre de se faufiler plus facilement entre les cellules endothéliales, et donc elles seront les premières au niveau du site inflammatoire, contrairement aux monocytes qui ont un noyau comme ça, qui va se présenter sous un seul bloc. Il est donc plus gros, et il va donc prendre plus de temps pour traverser les cellules endothéliales, et donc il va se retrouver un peu en retard au niveau du site inflammatoire. Et donc la diapédèse, elle va d'abord commencer par les polynucléaires, qu'ils soient neutrophiles ou éosinophiles. Les mécanismes qui vont permettre cette diapédèse sont d'abord la formation des pseudopodes par toutes ces cellules qui vont traverser la paroi des vaisseaux, et en fait ils vont donc former donc des pseudopodes de cette façon-là, qui va leur donner une forme qui traverse bien les cellules endothéliales. En plus de cela, suite à la traversée endothéliale, ils vont devoir traverser la membrane basale. Et là, nous aurons une dépolymérisation transitoire de cette membrane basale grâce à certaines enzymes leucocytaires qui va permettre donc leur traversée. Suite à leur traversée, c'est bon, suite à cette diapédèse, nous aurons donc le passage des polynucléaires du sang à travers l'endothélium vasculaire. Ils vont se retrouver au niveau du site inflammatoire et ils vont exercer un rôle de chimiotactisme pour attirer encore plus de cellules inflammatoires au niveau du site de l'inflammation. Et on peut citer à titre d'exemple, parmi les principaux facteurs chimiotactiques, c'est les produits déjà cellulaires et bactériens, ces débris qui vont résulter de la phagocytose, etc. Le C5, qui est un facteur du complément, le PAF, et les activateurs du plasminogène. Donc, petite récapitulation.
Nous avons, alors je vais effacer tout ça pour libérer l'espace. Le processus inflammatoire va donc se dérouler en quatre phases. Nous avons la première phase qui est en train de nous intéresser là maintenant, qui est la phase d'initiation, qu'on appelle également la phase vasculaire ou la phase vasculo-exudative, qui aura pour conséquence l'apparition des signes cardinaux et qui aura des manifestations, des remaniements au niveau vasculaire. Juste après, nous avons la phase d'amplification ou la phase cellulaire qui va aboutir à la formation du granulome inflammatoire. La troisième phase, c'est la phase de détertion qui est en fait la phagocytose et l'élimination de tous les débris pour permettre la phase de cicatrisation ou la phase de réparation des tissus qui, elle, va permettre donc de réparer tous les tissus après l'élimination de l'agent pathogène. Cette première phase vasculaire va en elle-même contenir trois phases, qui sont la première, c'est la vasodilatation ou la congestion active, la deuxième, qui est l'exsudation ou la formation de l'œdème inflammatoire, et la troisième et la dernière, qui est la diapédèse leucocytaire. La congestion active, c'est donc le premier phénomène visible de l'inflammation, qui va survenir 10 à 20 secondes après l'agression. Juste après aura l'étape d'exsudation, et bien après, nous aurons l'étape de la diapédèse leucocytaire qui aura la durée la plus longue, elle va donc durer de 7 à 8 minutes et qui sera d'abord amorcée par la sortie des polynucléaires neutrophiles suivie des monocytes. L'étape de congestion active va correspondre à une augmentation de la quantité de sang qui arrive, nous aurons donc une stase sanguine. Et elle sera permise grâce à des réflexes taxones et des médiateurs humoraux. De son côté, l'exsudation, c'est une augmentation de la perméabilité hystérostatique, mais surtout de la perméabilité capillaire, grâce à un élargissement des fentes intercellulaires, et qui va donc permettre la formation de l'exsudat. De son côté, la diapédèse leucocytaire, c'est donc le passage des cellules inflammatoires, et notamment des polynucléaires, du sang à travers l'endothélium vasculaire au niveau du site inflammatoire grâce à la formation de pseudopodes qui vont permettre la traversée de l'endothélium et une dépolymérisation transitoire de la membrane basale par certaines enzymes leucocytaires qui vont donc permettre la traversée de la membrane basale. Concernant leurs conséquences, alors d'un côté la vasodilatation elle aura des conséquences cliniques, métaboliques et physique. L'exsudation, pour sa part, elle aura des conséquences surtout sur l'agent pathogène. Elle va permettre en effet de diluer les germes, la diffusion de certaines substances qui vont permettre l'élimination de ces germes, et elle va permettre de circonscrire le foyer inflammatoire. Enfin, le passage des polynucléaires et des monocytes par la suite aura, en plus de la phagocytose et de l'élimination des agents pathogènes, un rôle très très important qui est le chimiotactisme pour attirer plus de cellules au niveau de ce site inflammatoire. Enfin, pour leur aspect histologique, je vous invite à aller voir les images qui sont présentes dans le cours, j'ai pas pu les intégrer ici. Alors, pour la première étape qui est l'étape de congestion, nous aurons donc des vaisseaux dilatés avec des cellules endothéliales qui sont turgescentes et bien gonflées, et une lumière où on pourra observer très clairement beaucoup de globules rouges. Dans l'étape d'exsudation, nous aurons donc, on va observer en fait cet œdème inflammatoire et il va se manifester par une substance fondamentale qui va apparaître plutôt claire et très peu colorée. Donc, nous venons de finir de parler de cette phase d'initiation ou de cette phase vasculaire qui va notamment se manifester par l'apparition des signes cardinaux. Là, on va passer à la deuxième phase de l'inflammation, qui est la phase d'amplification. Et cette phase d'amplification, elle est avant tout cellulaire. Elle sera marquée par la formation de ce qu'on appelle le granulome inflammatoire, qui n'est autre qu'une agglomération de cellules immunitaires de différents types. On va détailler ça. Donc, il faut savoir que cette phase d'amplification, elle va commencer presque en même temps que la phase vasculaire.
Alors rappelez-vous, quand on avait parlé des différentes phases, on les avait exposées l'une après l'autre, mais on avait très clairement mentionné qu'elles pouvaient en fait se chevaucher. Et effectivement, c'est ce qui va se passer là maintenant. La phase cellulaire, elle va chevaucher la phase vasculaire. Et donc, cette phase cellulaire, elle sera marquée par l'apparition de nouvelles cellules au niveau du foyer inflammatoire. C'est notamment grâce aux différents médiateurs chimiotactiques qui ont été libérés par les PNN. Et voilà, donc beaucoup de chimiotactisme va participer à l'apparition de nombreuses cellules au niveau du foyer inflammatoire, et ceci va aboutir à la constitution d'un granulome inflammatoire, qui est le rassemblement des différentes cellules inflammatoires qui vont arriver au niveau du site inflammatoire bien sûr. Donc ce granulome inflammatoire, on peut le décrire comme une lésion inflammatoire proliférative chronique. C'est intéressant de préciser que c'est chronique parce qu'en fait, on va pas en parler dans ce cours, c'est dans le troisième cours qui va concerner l'inflammation, parce que l'inflammation, en fait, elle va rassembler trois cours. Dans le premier cours, nous allons parler des trois premières phases de l'inflammation. Dans le deuxième cours, on va parler de la dernière phase, qui est cette régénération et cicatrisation, etc. On va la détailler. Et dans un troisième cours, nous allons parler des différents types d'inflammation. Et nous allons nous concentrer surtout sur la différence entre une inflammation aiguë et une inflammation chronique. Et ce qui se passe en fait, c'est que même si on a différentes phases d'inflammation, enfin les mêmes phases qui vont se répéter dans toutes les inflammations, c'est donc des phases stéréotypées, eh bien il faut noter que la durée de chaque phase sera différente d'une inflammation à une autre. Ainsi, dans le cas d'une inflammation aiguë, nous aurons une prédominance de la phase vasculo-exudative que nous venons de décrire. Alors que dans le cas d'une inflammation chronique, on aura plutôt la prédominance de la phase cellulaire. Et donc, nous pouvons dire que le granulome inflammatoire, il va surtout caractériser la phase chronique. Histologiquement parlant, ce granulome inflammatoire sera composé donc de différentes cellules, et notamment des cellules immunitaires. Donc nous aurons d'abord les cellules mononucléées, comme les lymphocytes, les macrophages mononucléaires, etc. On aura des cellules épithélioïdes et des cellules multinucléées. Les cellules épithélioïdes sont en fait des macrophages, mais qui vont ressembler à des cellules épithéliales. C'est pourquoi on les appelle épithélioïdes, parce qu'elles ont cette capacité de fusionner. Donc il y a cette capacité d'adhérence qui est caractéristique des cellules épithéliales. Et justement, ces cellules épithélioïdes, quand elles vont fusionner, elles vont former des cellules géantes multinucléées. Donc en fait, les cellules géantes multinucléées, c'est tout simplement des macrophages qui ont fusionné entre eux. Pour plus de détails, nous pouvons dire que le granulome inflammatoire sera composé de deux types de cellules. Nous aurons des cellules qui vont provenir du sang et d'autres cellules qui sont déjà présentes et sont résidentes du tissu conjonctif local. Les cellules qui vont provenir du sang circulant sont notamment les polynucléaires neutrophiles, et c'est les plus importants parce que c'est les premiers qui vont arriver au site. Ils ont une demi-vie qui est assez courte, elle est de 8 heures, et ils sont connus pour avoir un rôle bactéricide. Donc ils vont participer à l'opsonisation, à la fixation du complément, et c'est grâce à cela qu'ils vont permettre d'éliminer les agents pathogènes. Et suite à leur action bactéricide, en fait, ils vont se détériorer. Et justement, donc les PNN, quand ils vont se détériorer, déjà, normalement vous savez, ils vont engendrer ce qu'on appelle du pus. Le pus n'est autre que des PNN détériorés. Et justement, cette détérioration, cette mort, elle va agir comme un signe pour déclencher l'étape de résolution, qui est l'étape qui vient juste après, et qu'on va détailler donc juste après. Donc, sachez, retenez bien que les PNN, leur mort, elle va amorcer la résolution, qui est l'étape qui vient juste après cette phase d'amplification. Ensuite, les PNN, ils sont donc présents à l'intérieur des vaisseaux, et 50% de ces PNN, ils seront collés à la paroi et ils vont constituer ce qu'on appelle le pool marginalisé, qui est le pool qui est prêt à la diapédèse. Ils sont toujours là, ils sont toujours prêts à l'attente d'une inflammation pour se retrouver dans un tissu conjonctif
où ils doivent en fait éliminer l'agent pathogène. Et ces PNN, ce sont les témoins de l'inflammation aiguë. Donc retenez ça bien, les PNN, c'est les témoins d'une inflammation aiguë. On ne va pas retrouver ça dans une inflammation chronique. Contrairement aux PNE par exemple, les polynucléaires et éosinophiles, qui eux vont surtout marquer l'inflammation chronique. Et ces PNE, on va les retrouver surtout en cas d'allergie. D'autres cellules qu'on va retrouver au niveau du granulome inflammatoire et qui sont d'origine sanguine sont bien entendu les lymphocytes et les macrophages et les histiocytes. En fait, je vous explique, les monocytes qui vont circuler à l'intérieur des vaisseaux suite à leur diapédèse, ils vont se retrouver donc au niveau d'un tissu conjonctif et c'est à ce niveau-là qu'ils vont changer de nom et on va les appeler des macrophages ou des histiocytes. Enfin, dans ce granulome inflammatoire, nous allons également retrouver des cellules du tissu conjonctif local. C'est bien entendu les mastocytes, donc les mastocytes qui sont connus pour être ces cellules résidentes au niveau du tissu conjonctif. Elles vont participer à l'émission de nombreux médiateurs et notamment des molécules vasodilatatrices comme les histamines. On a également des macrophages, mais des macrophages résidents, c'est-à-dire qui existaient déjà d'emblée au niveau du tissu conjonctif. Ils ne proviennent pas de la migration des monocytes. On a bien entendu les fibroblastes, qui sont ces cellules qui sont responsables de la synthèse de la matrice extracellulaire. Et enfin, les cellules endothéliales, qui vont marquer la limite avec le vaisseau, avec l'intérieur du vaisseau, vous avez compris, et ce sont des cellules actives. Alors il faut savoir qu'elles vont participer à la réaction inflammatoire, et ce n'est pas des cellules comme ça qui n'ont pas de rôle, non, elles ont un rôle dans la réaction inflammatoire, et ce rôle, il est permis grâce à leur perméabilité, à leur adhésion, l'adhésion des différentes cellules, grâce aux différents récepteurs qu'elles vont présenter. Et en plus de cela, elles vont participer à la synthèse des facteurs de coagulation et même au processus de coagulation. On arrive maintenant à la troisième phase, et qui est la dernière phase de ce cours, qui est la phase de détersion. Alors la phase de détersion, elle apparaît juste après la phase vasculo-exudative, ça veut dire qu'elle sera en quelque sorte contemporaine de la phase cellulaire. Et son rôle, c'est le nettoyage. C'est ça la détersion. La détersion, c'est le nettoyage du foyer inflammatoire. Donc on est passé par cette première étape vasculaire. On va un peu attirer les cellules immunitaires. Ces cellules immunitaires, elles vont arriver au niveau du tissu conjonctif. Elles vont éliminer les agents pathogènes. Elles vont laisser des débris. Et c'est justement cette phase de détersion qui va éliminer ces débris et le reste de la phase d'amplification, de la phase cellulaire. Et donc, nous pouvons résumer les buts de cette phase de détersion en l'élimination des tissus nécrosés et des agents pathogènes, etc. Et suite à cette élimination, on va donc préparer la dernière phase qui est la phase de réparation, la phase de cicatrisation. Il faut savoir que cette phase de détersion, elle peut se faire selon deux modes. Une détersion interne, elle va se passer à l'intérieur du corps, on ne pourra pas la voir extérieurement, et qui va se faire grâce à notre fameuse phagocytose. Donc on aura des macrophages, parce que c'est notamment les macrophages qui vont participer à cette phase de détersion. Généralement, on établit l'élimination de l'agent pathogène au PNN et l'élimination des débris et tout ce qui est détersion, etc. au macrophage. D'accord ? C'est un peu comme ça qu'on schématise la réaction inflammatoire. Et donc, la phagocytose, qui n'est autre que ce processus de captation et de digestion par les cellules phagocytaires des particules étrangères et des débris nécrotiques, va participer à la détersion interne. J'ai pas besoin de détailler les étapes de phagocytose, vous les connaissez déjà. Tout va commencer par cette étape d'adhésion avec l'agent pathogène, ou les débris qu'on veut ingurgiter. On va ensuite les entourer par des pseudopodes pour former un endosome où seront sécrétés des enzymes par le macrophage. Et ils vont donc finir par réduire en miettes ce qu'ils ont ingurgité. Et au final, suite à cette phagocytose, nous pouvons donc avoir soit une digestion complète ou une digestion incomplète. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours l'élimination de ce qu'on a phagocyté. Cette digestion incomplète, elle survient dans notamment trois cas assez connus.
Certains germes vont réaliser une symbiose avec les cellules phagocytaires, donc ils vont rester à l'intérieur. D'autres, pire encore, ils vont se multiplier à l'intérieur des cellules phagocytaires. Et enfin, ces germes peuvent également être rejetés sans phagocytose. Donc ça, c'était par rapport à la détertion interne, qui est la phagocytose. Nous pouvons également avoir une détertion externe, qui va se faire vers l'extérieur de la peau par exemple, ou vers l'extérieur de n'importe quel organe dans lequel va survenir la réaction inflammatoire. Et cette détertion externe, elle peut se faire selon de deux manières différentes. Elle peut être spontanée, c'est-à-dire naturellement, sans intervention chirurgicale. Et dans ce cas, nous avons soit une liquéfaction du matériel nécrosé, soit une fistulisation. La liquéfaction étant tout simplement cette transformation du matériel nécrosé en liquide, comme du pus, du caséum, donc tout liquide inflammatoire. Et la fistulisation, c'est quand on va créer un canal entre un viscère et un viscère, ou encore entre un viscère et la peau. Et c'est à travers cette fistule, ce canal, qu'on va éliminer le liquide. Liquide qui a été obtenu suite à l'inflammation. La détertion externe est peut-être également réalisée de façon chirurgicale. Et là, c'est ce qu'on va appeler en fait un parage chirurgical ou un débridement. Alors vous êtes peut-être parti aux urgences et vous avez peut-être vu, dans certains cas, il y a des patients qui vont se présenter avec une plaie qui nécessite une suture. Et juste avant la suture, vous allez voir que le médecin, il va enlever cette peau morte qui va entourer la suture. On va enlever cette peau nécrosée. Et c'est ça justement ce qu'on appelle un parage chirurgical. Donc la lésion va se présenter ainsi. On peut avoir une peau morte qui va l'entourer. Et donc on va l'enlever pour passer à la suture par exemple. L'étape de détertion est une étape importante, essentielle et indispensable pour le reste de l'inflammation. En effet, si on a une détertion de mauvaise qualité, on ne pourra pas réaliser une étape de cicatrisation correcte. Et donc, l'inflammation va persister et on va passer à la phase chronique. Donc, la détertion est indispensable pour pouvoir réaliser la cicatrisation. Et donc, l'une des conditions de la cicatrisation, parce qu'on a deux conditions pour la cicatrisation qu'on va voir dans le prochain cours, l'une des conditions, c'est justement cette détertion. Avant de conclure le cours, j'ai envie de faire une petite remarque. Alors tout à l'heure, nous avons parlé de résolution. Là, voilà. Ici, je vous ai parlé de résolution et je vous ai dit que c'était l'étape qui faisait suite justement à cette étape cellulaire. Et là, vous remarquez que j'ai écrit détertion. Parce qu'en fait, la détertion et la résolution, c'est pas vraiment des synonymes. Ce qu'on appelle la résolution, pour être très correct, c'est au cours de la réaction inflammatoire, vous le savez, nous allons déclencher plusieurs voies inflammatoires. Il y a plein de médiateurs et de cellules qui sont recrutées, etc. Et vous en doutez, si on continue à les recruter, on continue avec ce chimiotactisme, etc., nous allons nous retrouver avec une réaction inflammatoire exagérée. Une réaction inflammatoire qui peut devenir néfaste. Et justement, à la fin d'une réaction inflammatoire, quand le corps il va comprendre que c'est bon, on a éliminé l'agent pathogène et que là maintenant on doit la stopper un petit peu, il va donc la ralentir. On aura d'autres médiateurs qui vont intervenir pour limiter cette réaction inflammatoire et c'est ce qu'on appelle la phase de résolution. C'est quelque chose que vous allez détailler en immuno, pas en anapath. Et disons que cette phase de résolution, c'est suite à cette phase de résolution qu'on aura la phase de détertion qui va, elle, au stricto sensu, éliminer tous les débris qui résultent de la réaction inflammatoire. Donc voilà, c'était tout par rapport à la première partie de la réaction inflammatoire. Dans le prochain cours, nous allons parler de la phase terminale de la réaction inflammatoire, qu'on appelle également la phase de réparation ou encore la phase de cicatrisation. À très bientôt.